Cher peuple africain, il n'y a qu'en Afrique, encore en 21e siècle, qu'on peut voir un blanc. En Afrique, sur une chaîne africaine de surcroît, parler comme ça des Africains. Comme si nous sommes toujours des sous-hommes. Comme si nous ne sommes pas encore des humains, comme si nous n'avons pas toujours atteint le niveau d'un être normal qui peut réfléchir, qui peut sentir mal. Regardez cette vidéo de l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, de surcroît sur une chaîne africaine. Quelle réaction vous avez vis-à-vis de ceux qui estiment que c'est la présence française qui est de plus en plus vertement remise en cause dans la région? Je crois qu'il faut faire la part des choses entre des manipulations. Voyez-vous, quand on voit le convoi bloqué dans une bourgade au Burkina Faso, on peut se poser la question du pourquoi et du comment. Vous savez, avec 1 000 ou 2 000 francs CFA, on peut faire beaucoup. Donc je crois qu'il faut pas exagérer les choses, il faut les prendre en compte. Il faut se poser des questions, hein, sur ce qu'on fait, sur notre présence. Mais je crois qu'il ne faut pas surimprêter. Quand on voit ces manifestations qui sont organisées, il suffit parfois d'un sandwich, d'un Coca-Cola, et puis vous avez 2 000 manifestants. Il y a eu il y a quelques jours des manifestants à Bamako. C'était quelques centaines de Donc vous, manifestants. êtes-vous en train de dire qu'il y a une instrumentalisation parfois? Oui, probablement. Très probablement, que l'on voit à l'heure. Alors, vous venez de regarder la vidéo. Imaginez si c'était un ambassadeur africain qui parle comme ça sur une chaîne française, bien sûr, une chaîne européenne. Ça allait faire le tour du monde. Ça allait susciter des indignations partout. L'ambassadeur allait être expulsé. Son pays allait être la risée de tout le monde. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres sanctions. Mais comme si c'est en Afrique, de surcroît, dans un pays où le président est 1 000% acquis à la cause des Françaises, j'ai été étonné que le présentateur qui était devant ce gigolo d'ambassadeur, cet esclavagiste, ce raciste, parce que déjà, il pense que le peuple burkinabé n'est pas assez mature pour réfléchir, pour sortir seul. Déjà, cet esclavagiste, ce gigolo, ce raciste, pense que le peuple burkinabé est achetable, qu'on peut les acheter juste avec 2 000 francs pour leur demander d'aller se suicider. Pareil pour le peuple nigérien, pareil pour le peuple malien. Et pire, cet animal pense que le peuple malien a tellement faim qu'il suffit juste qu'on leur donne à manger et un peu de boisson pour qu'il aille manifester sous le soleil. Vous voyez le degré de mépris. Vous voyez comment jusqu'à présent ces gens parlent de nous. Alors vous qui nous demandez de respecter des espèces comme ça, vous, impossible pour moi d'avoir du respect. Je n'en ai pas, je n'en aurai jamais. Pour des gens comme ça. Alors, cher peuple ivoirien, cher peuple ivoirien, n'acceptez pas qu'on insulte tout un peuple. N'acceptez pas qu'on traite les Burkinabés d'achetables. N'acceptez pas qu'on traite vos frères maliens, nigériens, des affamés. N'acceptez pas. D'ailleurs, je m'adresse ici à tout le peuple africain. N'acceptons plus qu'on nous traite d'affamés. Des gens qui viennent nous voler, qui viennent nous piller, qui viennent nous tuer, ensuite nous traiter d'affamés. N'acceptons plus qu'on nous traite des gens qui n'ont pas la capacité de raisonner.